jeunesse est décidée pour le sport. Et ils ont besoin des compétitions comme cela. Et en tout cas, vous avez vu comment ils ont commencé. Bon, par rapport à les pesées, on avait prévu à 16h. 16h, on a fini au plus vers les 20h. 22h comme cela. Le lendemain, il y avait toujours beaucoup de lutteurs qui demandaient à s'intégrer. En tout cas, la compétition est très propre. Bon, en regardant Bazongo, c'est l'erreur. En tout cas, et encore, je peux dire qu'il n'est pas en forme. Vu le carême. Tout ceci, tu lui regardais. Et depuis durant les deux jours là, ils mettent carême pour venir lutter. C'est pas facile aussi. La lutte là demande de beaucoup manger et puis beaucoup boire. Voilà. Donc son problème là était de deux côtés. Voilà. Sans quoi, c'est un grand lutteur. À l'heure actuelle là, au Burkina, même à l'international là, il est très bon. C'est pas à dire que je fais ces éloges, mais c'est un grand lutteur. Bon, lui aussi c'est un jeune, il vient de bouger. Bon, en tout cas, il a pris son courage en deux mains cette année. Sans quoi d'habitude, s'il sent qu'il y a les Romaric, il y a les Eloi, il y a les Bazongo là, souvent il vient, il ne veut même pas s'inscrire. Mais cette année, on sait qu'il s'est décidé. Et Kawane Ernest, bon, lui-même, au début, c'est parce que lui-même, il a raccroché entre-temps et puis reprendre. Sans quoi, même les grands gabarits là connaissent Ernest. C'est pas à dire que c'est quelqu'un qui vient de sortir. Il est dans la lutte depuis. Voilà, c'est par rapport à des problèmes qu'il a raccroché. Donc, ce type-là, s'il reprend là, cela veut dire qu'il a le courage de le faire. Toi, Drissa, bon, j'ai connu vraiment son temps. J'ai connu son fils aussi. Parce que quand son papa l'a lutté, je n'étais pas arbitre. Mais je suivais la lutte. Parce que la lutte, je l'ai aimée. Parce que moi-même, je suis né dans une famille de lutte. Même au niveau des sacrifices, c'est ma famille qui fait ça. Donc j'ai connu la lutte de Brema. Brema, c'était un grand lutteur. C'était un grand lutteur. Et il avait des qualités. Mais la lutte d'avant et puis la lutte de maintenant, là, ce n'est pas la même chose. Donc je peux dire que son petit là aussi, il a de l'avenir. Puisque on doit chercher devant là. C'est pas le prix. Kevin, bon. Kevin, moi, j'ai connu la lutte de Kevin dans les fêtes de Nouveau Mille. Je l'ai déjà vu à Point Lutteux. Je l'ai déjà vu à Kira Lutteux. Même l'année passée à Bobo. Les gens disent que c'est un parvenu. C'est pas un parvenu. Il luttait avant de gagner. Bon, quand il était au village, là, il luttait. Donc, en tout cas, c'est des jeunes qui se travaillent. Sincèrement dit, Kevin, il travaille beaucoup. Si c'est saisi là, si toi-même tu regardes là, tu sais que c'est quelqu'un, il est bien formé.